Salut les amis, c'est Osurus pour un nouvel épisode de Starbound. Désolé, j'ai pu bloquer l'épisode 4. Donc j'ai été un peu miné en off comme je vous l'avais dit. Et on se retrouve au fond de la mine, très profondément. Et je crois que je viens de trouver les... je viens de trouver les core fragments. Donc ce qu'on a besoin pour réparer le vaisseau, il y en a juste plein. Donc on va tout récolter. Hop. Cette pioche est quand même vachement pratique, donc je continue à l'utiliser. On va remonter ensemble. Vous verrez que j'ai quand même creusé énormément pour en arriver là. On va remettre une torche. Hop, voilà. Ici, il y a un peu d'iron. On va creuser quand même l'iron. Voilà. Quoi, faut faire gaffe à pas tomber en dessous parce qu'il y a de la lave. On est au plus profond, je crois, du sol. Voilà des core fragments. Récolter un peu tout. Bah, évidemment, ma pioche qui casse. Bon, ces pioches là, par contre, ça a aucune durabilité, c'est juste horrible. Par contre, on va éviter de se mettre dessus. Ce qu'on va faire, c'est prendre ceci. Hop, là on va faire un petit passage. Mettre une petite torche, voilà. Oups, ça c'est une mauvaise idée. Voilà, on va en mettre. Bon, je ne reviens pas en dessous, mais c'est pas grave. On va faire avec. Voilà. Je n'ai combien en tout 24, et bah c'est plus que ce qu'il faut. Ouh, il y a du diamant là-haut. Par contre, ça c'est bon. Voilà. Hop. Hop, on met ça comme ceci. Faire un petit escalier. Voilà, nickel. On va reprendre notre arme parce que si jamais ça spawn sur le trajet. Donc, on est très profond. Oui, je me suis pas amusé à explorer les grottes. Hein. J'avais un peu marre. J'espère qu'on peut remonter parce qu'en fait j'ai jamais remonté vu qu'à chaque fois qu'on quitte le jeu on est re-téléporté sur le vaisseau, donc à chaque fois je ne faisais que de redescendre. J'espère qu'on peut remonter. Hop. De toute façon, au pire on creusera ou on mettra des wood platforms. Le problème avec les wood platforms c'est que j'ai plus de bois vu que j'ai tout transformé en torche, tout ce qui me restait. Donc j'espère que ça passait. Au pire on a des climbing ropes je crois encore. Donc on pourra essayer de s'en utiliser si jamais on n'arrive pas à remonter, mais on fait des sauts assez grands, ça a l'air d'aller. Donc voilà, hop. Ici, ouais, il faut monter par la droite. Je crois qu'ici on avait déjà vu un épisode. Non, quoi que... si, avec de la boue. Si, c'était un épisode, c'est qu'on avait vu ça. Hop. Par contre, par ici, oh ça passe. Par contre, si ça passe un peu moins, hop, on va dégager un petit peu pour remonter. Voilà. Ouais, ici on était déjà venu en épisode. Ça, j'en suis sûr. Vous voyez, les mobs respawn à chaque fois. Hop. Voilà. Merde, putain. Ça. Y'a pas moyen d'avancer juste un peu, quoi. C'est d'office. Avancer énormément. Hop. On va remonter. Voilà. Tranquillou. Il faut retrouver la sortie. Je croyais que c'est là à droite. Hop, voilà. Nickel.
Ici, les escaliers, c'est pas compliqué. Oui, on était, j'étais bien profond, quoi. Hop. Et ici, c'est juste de la ligne droite en haut. Ce qui est encore pratique. Mais en fait on va pouvoir tout récolter, on pourra reprendre ce feu de camp parce que cette planète je ne suis pas sûr qu'on y retournera. En tout cas si on y retourne, c'est pas tout de suite. On va se retéléporter vers le vaisseau. Hein, parce que c'est cool, on va pouvoir réparer le vaisseau. Donc hop. Repair ships. Et voilà. Vaisseau réparé. Une nouvelle quête. The ship has surrendered to life. There is still work to do and I need to fix the FTL drive. But it's a start. Now I can... Whoop, excusez-moi. Ça c'est Windows qui m'énerve. Hop, voilà. Now that I can visit the planet within this solar system, I need to start looking at how to repair my FTL drive. Sail will probably no more. Alors, the ship's thruster has been repaired. Travel with this system is not available. We need to fix the ship's FTL drive with 20 ambitious crystal. Oscar have also picked up the strange gravity system. Ok. Donc il faut encore trouver des trucs chelous dans ce système. Non, on va se vider un peu les poches, comme Fire, on peut le remettre ça là. Lingming Group, ouais, Iron, bah écoutez, avant tout ça, on va mettre un peu sur notre camp de base ici. On va établir, de toute façon, notre vaisseau, donc c'est normal que ce soit notre camp de base. On va mettre Crafting Table, voilà, Wooden Crafting Table. Voilà, un petit camp de base. Hop, ici, Furnace. Masse. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Des chips, oui. Faut des bricks. Bah, on va pas faire ça tout de suite. Ça va pas servir à grand chose. Alors, des diamants, on va les stocker. Ça, on en a pas besoin. Des silver ores, il y a un moyen de faire des ingots avec ça. Voilà, c'est des barres plutôt. Voilà. On va pouvoir la mettre tout ça là-dedans. Hop. Plein de fibers sans regarder. Coal sans regarder. Trois steaks on peut faire cuire. Pas dans les fours comme ces fois, hein, comme fire. Comme fire, on l'a rangé. Hop, voilà. Du steak. Tout ça précieusement. Bon, ça on peut mettre tout ça là-dedans. Les pioches, on va les garder ici. Ah oui, il nous faudrait du bois. Dirt block, on en a beaucoup trop. Ça on peut laisser dans notre coffre. Ici ça doit avoir fini de cuire. Oui, nickel, ça nous fait de la nourriture. Ouais, on est plutôt bon. Je vais vite me téléporter vite fait sur la planète pour que on puisse avoir plus d'arbres. Est-ce que ça on peut casser la pioche ou on est obligé de casser la... Oh non, c'est bon, c'est ce que c'est la pioche. J'ai l'impression que ça prend le même temps que... depuis l'outil, quoi, je cherche pendant 10 minutes au début de l'épisode.
va le reprendre. Celui-ci peut pas s'user avec la pioche s'use. Là, ça nous fait du bois. On casse tous les arbres. Parce que du bois, on en a besoin. Voilà, maintenant on peut remonter. Hop, les saplings, on n'a pas besoin. Le second sapling, sapling. Du bois, on en a beaucoup plus maintenant, donc on va pouvoir crafter tout ce bois. Wooden planks. Hop. On fait en masse. Et voilà, faire peu plus de bruit de plateforme, c'est toujours utile, un peu plus de torches, voilà, hop, maintenant on peut passer là, fuel, on a peu de fuel, ok c'est cool, alors ici c'est là où on est. Et c'est là la maison pour le moment. On peut aller là sur cette. Alors, surface on est Defense Forest, Plain Life, Produced, côté oxygène. 15 minutes de jour. Par contre, c'est désert. Ça, c'est un peu. Ouais. Defense Forest. On va aller ceci, elle a l'air plus sympa. C'est sympa, on peut se balader un peu dans le vaisseau pendant que donc ça bouge. On peut se téléporter dans la planète, enfin sur la planète. Il pleut, ça c'est déjà un peu moins cool. Mais des arbres déjà un peu assez beaux. Il y a des créatures chelous qui sont déjà un peu plus résistantes. On va pouvoir couper cet arbre. Et là c'est belle cette planète. Hein. Plein de bois, on va quand même pouvoir miner tout ce charbon parce que du charbon c'est quand même vachement utile pour les torches. Voilà de l'argent. Donc on va explorer comme on a fait, pas dans le précédent épisode, mais il y a deux épisodes, je crois que c'était dans l'épisode 2. Bah ici, voilà, il y a une structure ici. Mais par contre... Ah oui. Je suis pas prêt pour ce genre de structure. Il me faut des meilleures armes. Y a-t-il moyen de crafter des meilleures armes?
DPS 90, damage par swing 83. Et ici DPS 67. Ok, elle est bien meilleure. Il faut juste 8 Iron. On a clairement de quoi s'en faire. Hop. Ah, et moi il met des armures aussi. Ça c'est plutôt cool. Attends, non, celle-là elle est pas très bien. Là, la crunch elle est pas mal. On va crafter celle-là. Voilà. Et maintenant on va mettre. On va crafter des armures. Hop. Hop. Et hop. Voilà, et on est déjà équipé en plus. C'est pas beau ça. Voilà, on est. On est bien, on est beau. Hop, voilà, on fera déjà un peu plus de dégâts avec ça. Le reste, on peut le stocker dans le coffre. Nos anciens habits. Attends. Ah non, ça c'est. On a juste le helmet en fait. Les autres, c'est pas nos. Hop, bah, attendez, il est passé où? Ah, il est passé dans le coffre. Lui, je le veux là. Et l'autre, il est où? Il est là. Je le veux là. Voilà. C'est ceux-là, les trucs de paysans que je veux mettre. Hop. Même fait, bon, on va se refaire des bandages avec. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On a pas mal de trucs. Bon, on peut pas encore mettre de jetpack ou quoi que ce soit, mais. Est-ce qu'on peut encore crafter des trucs utiles? Non, pas dans l'anvil. C'est dans l'anvil qu'on a crafté d'un truc. Ouais. Ending knife. Ouais, c'est un peu de la merde. Du coup, on est prêt avec notre hache. Et on va. Si, faut y retourner, on va réessayer. Par contre, il fait un peu nuit, ça c'est un peu chiant. Bon, la nuit est assez claire dans ce pays. Par contre, ça fait assez mal. Bon, on a du bandage. On va s'en recrafter un peu plus d'ailleurs. Voilà. Prends la lampe de poche. Aouh. Et je suis tombé dans l'eau là-haut. Ok. Il est mort. Ah. Ouais, je rajoute un peu parce qu'ils sont vachement forts. Ils ont une technologie que je n'ai pas. Attends, il est mort. Oh oh, oui, il a un peu un flingue. Ah. Il est beaucoup moins mal maintenant que j'ai une armure. Mais ils font encore beaucoup trop mal. Au secours. Bon, on est pas prêt pour ce genre. Mais comment on fait pour avoir une meilleure armure? Alors, j'aurais une meilleure table de craft pour pouvoir faire plus d'armure. Mais je sais pas comment on fait une meilleure table de craft. On fait les meilleures armes. Donc, ouais. Ah, mais j'ai le hunting bow aussi. Qui peut être pratique pour les avoir à distance. Par contre, il faut 12 iron bar. On a iron, une timbow. On a combien d'iron? On en a 11. Bon, bah, on va se faire ça là. Par contre, j'ai gagné des trucs. En même temps, c'est mon ancien. Non, j'ai rien gagné du tout en fait. Par contre, bah. On va réessayer. Mais cette fois-ci, en fait, on a des. Un arc. J'avais pas marqué qu'on avait un arc. Donc ça peut être pratique. Bon, j'espère que vous voyez quand même quelque chose. On va quand même mettre la torche. Hop, je ne le ferai pas voir une deuxième fois. Là, il y a un gros machin qui nous attaque à distance. Ok, on est définitivement pas prêt pour cette planète. Donc bah oui, mais 20 minutes. Donc on peut se laisser là pour cet épisode-ci et. Moi je vous dis rendez-vous bah à la prochaine. Allez, ciao.